Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Oh merde. Le mec il est violent de ouf. Aujourd'hui je suis avec Léa. C'est la deuxième vidéo. On avait fait un essai de ne pas rire. On a fait une vidéo aussi sur ma chaîne secondaire. Et toi t'as sorti une vidéo sur ta chaîne YouTube. On a fait beaucoup de vidéos. Exact. Un personnage secondaire, un peu comme une série. Sauf que là c'est un personnage pas ouf. J'ai essayé de faire la meuf vexée. Il y a quelques jours, j'appelle Léa et je lui dis écoute, ce serait vachement drôle que j'infiltre Tinder. Dit comme ça, c'est très bizarre. Je sais que les meufs qui peuvent utiliser Tinder, etc., souvent elles reçoivent plein de messages, de gros charros. C'est des messages qui sont parfois lourds, etc. Aujourd'hui, j'aimerais me mettre dans la peau d'une fille. C'est très bizarre comme phrase. Pour ça, t'as créé un compte Tinder. Bah, un profil normal, ouais, hein, ton profil. Clairement, ouais. J'ai enlevé tous les saluts, ça va, et j'ai match à un maximum de personnes. T'as swipe tout. Ouais. Toi, tu le fais pour rigoler, y'a des mecs qui le font pour de vrai. Du coup, donne-moi ton téléphone. C'est toi qui l'as. Ah putain, oui, c'est vrai, je l'ai confisqué. Hop, direction Tinder. J'ai ton téléphone, mais présente-moi ton profil. Ça, c'est les photos que t'as mises sur Tinder. Ouais. Et alors, du coup, Léa, 19 ans. Hey, moi, c'est Léa. Je suis ici pour faire des rencontres. Je suis gentille et souriante, je ne mords pas. Promis. T'as eu beaucoup de matchs ou pas? J'ai matché. Ah oui, d'accord, ok. T'as eu 4000 matchs. En fait, y a pas besoin de Tinder Gold, juste t'es une meuf, ça marche. T'as vraiment eu des cas ou pas? Ouais. Regarde Bernard. Mais il a quel âge ce mec? Le premier, il s'appelle Adorian. What's up? T'es sûr tu mords pas, hein? Flemme de perdre un doigt. J'ai l'impression de me retrouver moi quand j'avais 13 ans et que j'étais un petit bouffon qui disait n'importe quoi, tu vois. Il a un très beau look. Ça, c'est un beau look. Comparé à ce que tu peux trouver sur Tinder, franchement, je trouve que ça passe. C'est un style, c'est un mec qui kiffe la mode et tout. Moi, j'ai bien envie de lui répondre, va te faire voir, mais. C'est horrible. Embrasse-moi si j'ai tort, mais on s'est déjà rencontrés, non? Haha. On s'est jamais rencontrés. Donc, du coup, je l'embrasse, hein, c'est la règle. Hein. Je lui réponds. Non, ouais. Je sais pas ce qu'on peut répondre, genre. Embrasse-moi si j'ai tort. Encore une fois, c'est un mec qui est jusqu'au physique. Qui s'en fout si je suis une pauvre conne blonde. Tu Viens, je réponds ça. Vas-y, réponds. Quand tu sais pas quoi répondre, tu réponds un gif. Oula. C'est Bernard qui m'envoie un petit message. Bonsoir Léa. Bien que notre différence d'âge soit importante, on ne devrait pas y penser. Faisons connaissance. Il a quel âge déjà? 60 ans. T'as matché un gars de 60 balais. Je me suis dit, Léa, faut arrêter d'être sélective. Non mais voilà, le but c'est voir un peu les messages que les mecs ils envoient sur Tinder et tout. Ouais ouais ma beauté, bien ou quoi, t'as pas kiffé MDR. Ça c'est le même genre de mec qui dit t'as capté à chaque fin de phrase. Localisation, il y a écrit la street. Il s'habille en Batman. Ça c'est faux pas. Ça tu swipe. Couche. Alors, on a Mario. Léa, je trouve que ça va très vite entre nous. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Bah écoute, Mario, sûrement tes dents. Pour le coup. Je le paquet. Tu réponds tes dents là? Non, c'est pas cool si je réponds tes dents. Mais je pense qu'il a paniqué. Tu sais, ouais. Il a vu ton profil et il s'est dit putain, arrête quoi. Quoi? Il fait pas sa tête, dis-moi ce que t'as vu. Y a un mec qui t'a envoyé un message. Il est torse poil. Il a dit hey, ça va, Miss Tinder? Horrible. Miss Tinder. Oh, il est moche. Excusez-moi. Non, mais attends. Oh, rassure-moi, t'as eu quand même des gens qui t'ont envoyé des trucs bien, tu vois. Non. Non, mais arrête. Les gens, ils envoient que des trucs nuls comme ça. Oui, je préfère que tu mordes. Mais je suis abattue. C'est donc ces hommes qui représentent le genre masculin. Là, j'ai honte. En fait, c'est fou parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de mecs qui ont réagi à ne pas mordre. T'as dit je mords pas. Ouais. Alors là, ils sont engouffrés dans la faille. Le mec a mis ne pas mordre, ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir. J'ai fait une grimace dégueulasse. Ça fait hyper serial killer, tu vois. Genre, je pense que le gars, il s'est dit je dette ça. Ma phrase, elle est terrible. Ouais. Allez, vas-y, je vais en prendre un au pif. Hey là, non, sure. Non, en plus je parle anglais, je suis trop nulle. Viens, on fait la vidéo en anglais. Non, non. Dora, elle va. Espagnol peut-être. C'est qui Dora? Bah, Dora l'exploratrice, genre. Mais elle parle pas anglais. Mais si, elle parle anglais. Mais elle parle pas anglais. Mais si c'est un dessin animé, je m'en rappelle. Mais je crois qu'on a pas eu la même enfance. Hein. Ouais. C'est parce que t'es une 2000. C'est sûr. T'as connu les cassettes, toi? Ouais. C'est vrai. Attends, là j'ai un mec qui s'appelle Jay. Léa. Quel style? Pas de réponse, tu as déjà trouvé l'homme de ta vie. Il est vieux. Attends, on peut pas montrer les photos parce que du coup ça reste anonyme. Il a 43 ans. Tu as quel âge? 19. C'est quoi les fiches contact? Oh, j'en sais rien. Oh, coucou Léa, tu vas bien? Et puis numéro de téléphone. Ce serait vachement drôle qu'on l'appelle quand même. On va pas l'appeler. On l'appelle ou pas? Tu veux que je l'appelle? Non, viens, on l'appelle, viens, on l'appelle. Le mec, on le met face à ses responsabilités. C'est sûr à 100%, il va même pas savoir quitter. Allô Guillaume? Oui, c'est qui? C'est Léa, tu m'as laissé ton numéro de téléphone. Ah, d'accord. Ah, t'as l'air déçu là. Tu peux m'appeler plus tard? Bah oui. Bon, bah c'est pas grave, tant pis. Au revoir. Salut. C'est que je pense que cette technique, c'est la première fois que ça marche de sa vie. Il a dû le faire une centaine de fois. Je pense qu'il était tout retourné. Genre, tu sais, il savait pas quoi faire.
Quoi? J'aime pas quand tu pars en arrière, souvent c'est pas bon signe. T'as pas envie de savoir. Allez, dis-le. J'adore tes cheveux. Je me vois déjà les attraper pour y aller plus fort et plus profond. Il a vraiment écrit ça? Non. C'est une blague. C'est quel genre de mec? Ah bah en même temps. On est où là? C'est chaud. C'est horrible. C'est hardcore. T'as beaucoup de profils comme ça en vrai sur Tinder. Tu sais, des profils ouais. Un peu chelous. Ouais. Bah, il y en a un de compte fait que de moi sur Besançon. C'est vrai? Ouais. Genre, ils ont pris tes photos et ils ont créé un compte. Ouais. Le pire, c'est qu'ils devaient me connaître parce qu'ils ont mis que j'avais 19 ans, que je faisais 1m59. Ça, c'est hyper malsain, par contre. Parce que ça veut dire que le mec qui a créé le compte. Il me connaît bien. Il a bien checké toutes tes infos. Il t'a bien stalké et tout. Ah, c'est ça d'être connu maintenant. La dernière fois, elle me racontait, il y avait un mec. Il a trouvé ton adresse. Oui. Il m'a envoyé un bouquet de fleurs. C'est horrible, hein. Ne faites pas ça, c'est très bizarre. Même si le geste est gentil, genre, c'est inapproprié en fait, et faut pas faire des trucs comme ça. Bonjour à toi. Quand mon téléphone a montré que nous deux ça a matché, mon tel a augmenté la luminosité tellement tu es resplendissante. C'est pas mal. En vrai, c'est mal parce que je l'ai jamais eu. Tu vois, quand c'est la première fois, ça te fait plaisir. J'ai lâché un sourire, ça m'a fait rigoler. Tiens, je vais liker. Alors Léa, je suis certain que tu fais des études de commerce ou alors en droit. Pas je suis du en tout. Art en fait. Mais... La plaque, elle est juste ici. Il est là-bas, tout ouais. Là-bas. Je peux lui dire que je suis en art. Ouais, vas-y. Dis-lui, tu t'es trompé, je suis en art. Alors, là, je crois qu'on a une disquette. Tu ne ferais pas du violoncelle par hasard, Léa? Pourquoi je ferais du violoncelle? Ça, c'est un mec, il veut que tu répondes non. Et après, il va te dire un truc genre tes cheveux, j'ai envie de faire de la musique avec. Non, c'est hyper bizarre ce que j'ai dit. Mais après, c'est quoi le message que t'attendrais d'un gars sur Tinder, tu vois? Genre, en vrai, on critique leur manière de faire. Bon, peut-être, oui, j'avoue, là, t'abuser sur des trucs. Donc, c'est quoi un bon message Tinder, selon une femme? Moi, je pense que c'est même impossible de me draguer via Tinder. C'est vrai? Ouais. Peut-être sur Instagram. J'ai des idées, là. Wow, Léa! Combien de temps au frigo es-tu restée pour être aussi fraîche? Meilleure disquette! Tellement rayonnante que même le soleil passe pour un amateur. Ma phrase n'a pas eu grand succès, apparemment. C'est bien parce qu'il a pris conscience tout seul de son échec. Il faut lui répondre. Je pense que là, il est tristouné. Qu'est-ce que tu peux répondre à ce sublime compliment? Merci. J'ai l'impression d'avoir un peu de puissance. Je peux mettre des râteaux à des mecs, je me sens chaud. C'est donc ça d'être une fille sur Tinder. Moi j'avais pas autant de matchs, hein. J'en avais 3. Ah oui, c'est quand même peu. Genre, ouais, c'est l'appli, elle devait bugger. Le con, fruit exotique ou fruit des bois? Bah écoute, je mange pas de fruits tout court. Donc déjà, elle, next. Elle mange zéro fruit. Bubule, t'es vraiment hyper chiant. Arrête de plonger dans les DM d'une perle rare. Ça, c'est rigolo. Franchement, c'est rigolo. C'est la première fois qu'on me le fait. Dommage qu'il le copie-colle à chacun de ses matchs. Oh, c'est sûr. En plus, mais il a une tête mignon. Je réponds, oh, trop cute. Comment ça, il vient de trouver l'amour? Maxence! Ouais. Viens voir. Tu vas lire un message. Vas-y, lis ça. Attends, il t'a fait un pavé en plus. Oui. Bonsoir, tu veux savoir à qui tu me fais penser? Ouh là là. Il a dit quoi? À une femme dans mes rêves que j'ai sauvée d'un dragon et à la fin on vit heureux, sauf que le dragon c'était ton ex et la femme c'est toi. Allez, moi j'ai du travail. Ah d'accord. Allez, salut à tous. Oh là là là. C'est des pépites. Eh franchement, on a commencé à tourner cette vidéo il y a à peu près 20 minutes. On était à 3500 likes. On est actuellement à 4000 likes. Ça veut dire que t'as eu 500 mecs qui ont matché depuis qu'on tourne cette vidéo. Ça marche bien d'être une meuf sur Tinder. Je pensais pas que t'allais recevoir autant de messages, tu vois. Genre, je savais que les mecs, ils sont lourds de base. T'as plein de mecs qui envoient des trucs un peu chauds et tout. Alors, évidemment, il y a des mecs qui envoient des trucs bien aussi. Hein. C'est juste qu'on a pris un condensé des pépites que t'as reçues là en 2 jours sur ton Tinder. Alors, abonnez-vous à la chaîne de Léona. Mettez des pouces bleus si vous voulez qu'on fasse une lecture de mes DM Instagram. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Ils sont dans la description. La chaîne YouTube de Léa est dispo dans la description. On se retrouve mardi prochain parce que maintenant, c'est tous les mardis une nouvelle vidéo. Hey. Salut. Ciao, bye.